Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de venir à Bourges rencontrer des élèves. Donc, je m'appelle Emmanuel Sepa, je suis chercheur en mathématiques. Et mon métier consiste à, d'une part, chercher des nouvelles choses en mathématiques et surtout, je suis prof de prof. Ça veut dire, en fait, je forme les futurs professeurs. Donc, vous savez ce que sont que les professeurs des écoles, comme vos maîtresses. Les professeurs de maths en collège et lycée, eh bien mon métier, moi je prépare ces gens-là, vous voyez, je les entraîne, je prépare les professeurs des écoles et les profs de maths pour passer les concours et puis faire cours en classe, vous voyez. Donc je suis entre guillemets prof de prof. Je remercie toutes les personnes grâce à qui la rencontre aujourd'hui est possible, donc le Muséum, Centre Sciences, Mathieu qui a fait un super boulot, Marie-Laure. Je remercie aussi vos enseignantes aussi, vos enseignants qui ont pu qui viennent aujourd'hui, qui permettent cette rencontre. Donc voilà, donc merci, un grand merci. Et donc on va passer un petit moment ensemble. Et le but c'est de prendre du plaisir. Donc vous faites des mathématiques à l'école. Là je vais vous proposer des mathématiques un petit peu différentes. Des mathématiques sous forme de jeu. Donc l'adjectif qui va avec jeu, c'est quoi? C'est... Non? C'était un peu compliqué peut-être pour vous, c'est ludique. Donc on va faire des mathématiques ludiques. Ça veut dire sous forme de jeu. Donc je vais vous proposer trois ou quatre énigmes. Vous allez vous concentrer, vous allez réfléchir, parce que en apparence on va jouer, mais en fait au premier degré, mais au second degré, il va se passer des choses. Donc il faudra bien observer, être bien concentré, et voir en fait qu'on ne va pas seulement jouer, que en jouant quelque part, entre les lignes, il va se cacher des astuces mathématiques. Il y aura des stratégies, des solutions, des petits trucs à voir pour pouvoir gagner. D'accord? Donc ouvrez bien l'œil. Est-ce que vous aimez les frites? Tout le monde aime les frites. J'ai bien choisi. J'avais peur de tomber sur les seuls CM2 de France qui n'aiment pas les frites, les hamburgers, etc. Vous aimez ça? Ouf! Bon. Alors, là, ce que j'ai fait devant vous, regardez. J'ai mis des trombones qui vont symboliser des frites. J'ai mis 20 trombones, donc 20 frites. Et parmi les frites, il y en a une qui est mieux. Elle est plus grosse que les autres. Donc elle est meilleure. Et dessus, il y a plein de sauce. Donc j'ai pris une double trombone. Pour dire, ça c'est la frite magique. Elle est grosse. Et il y a plein de sauce dessus. Votre sauce préférée. Moi, je ne sais pas, ketchup, moutarde, etc. Et on va jouer au jeu suivant. Un ou une volontaire va venir près de moi. Et on va s'affronter. Tu veux venir par exemple? Oui, vas-y, viens. Ton prénom, c'est comment? Comment? Saïna? Shaïna. D'accord, pardon. Excuse-moi. Vas-y, viens, viens. Alors, donc on va jouer l'un contre l'autre. Alors, écoutez bien les règles. On va décider qui commence à jouer. Soit on tire au sort ou tu décides. Je vais te laisser décider. Tu commences ou je commence. Et après, à chaque fois, on a le droit de manger une ou deux frites. D'accord? Il faut réfléchir. J'en mange une, j'en mange deux. C'est vraiment simple. Et évidemment, le but du jeu. Le gagnant ou la gagnante, c'est la personne qui va manger la dernière frite. Donc il faut commencer à réfléchir dès le début. Comment je vais faire en mangeant un ou deux? Il faut voir ce que fait l'adversaire, il faut réfléchir, se concentrer. Et le but, c'est de manger celle-là. D'accord? Tout le monde a compris la règle, c'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon, il n'y a pas à répéter? On y va. Est-ce que tu commences ou je commence? Je commence. Donc moi, j'en prends deux. Je vais mettre ici mes frites, ou tu mettras les tiennes ici. J'en prends deux. J'en prends deux aussi. J'en prends une. Elle en prend deux. J'en prends une. Elle en prend une. J'en prends deux. Elle en prend deux. J'en prends une. À votre avis, qui va gagner? Est-ce qu'il y a des pronostics? Est-ce que vous pensez qu'on a autant de chances de gagner ou est-ce que vous sentez déjà qu'une des deux personnes est en avance? Autant de chance? Elle va gagner, je vais gagner. Je sais pas. Non, 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 pas forcément. Je découvre, je sais pas. Bon, on va voir. Pour l'instant, alors je vous dis où on en est. Il en reste 6 pour l'instant et c'est à votre camarade de jouer. Vas-y. Tu réfléchis bien. Attention à ton choix. Combien en prends-tu? T'es sûr, c'est bon?
Je vais la faire douter. Deux. C'est bon sûr. Regardez bien, moi j'en prends une. Et là maintenant, il se passe un truc qui est important. Il reste trois frites. Ah ben, vous êtes obligé de la mettre. Alors pourquoi? Parce que si elle en prend une, vous pouvez en prendre deux. Et si elle en prend deux, vous pouvez en prendre une. Bravo. Bravo, super. Là, votre camarade est brillant, il a tout compris. Effectivement, voyez, regardez bien. Là, voyez, la partie n'est pas finie officiellement, il reste trois frites. Mais n'empêche que, en fait, elle est quand même finie. Puisque, quoi qu'elle fasse, je m'adapte. Et son choix n'a pas d'importance. Même si elle réfléchit des heures, si elle se dope, si elle se concentre pendant des heures et des heures, ça ne changera rien. Les dés sont jetés, et je vais faire le contraire d'elle, et je vais gagner. Donc, vous voyez, on est à ce niveau-là. On a mangé 17 frites, il en reste 3, et la partie est déjà finie. D'accord? Alors, je vais essayer de vous apprendre, vous voyez, là, à ce moment, maintenant, ici, on est sûr de l'issue de la partie, de la fin, on sait que je vais gagner, alors que la partie n'est pas finie. Je vais essayer de vous apprendre le moyen d'être sûr dès le début. Moi, vous voyez, ce que vous voyez maintenant, là, maintenant vous êtes sûr, eh bien, moi, dès le début de la partie, je suis sûr aussi. Je vois aussi clairement la fin de la partie, au tout début, que vous la voyez maintenant. Et comment je fais ça? Ce n'est pas parce que je suis génial, c'est grâce aux mathématiques. Et ce qui est génial, ce n'est pas les mathématiciens, ce n'est pas moi, ce sont les mathématiques. Donc on va essayer de comprendre ensemble comment faire. Et moi, dès le début, je voyais tout. Donc on finit la partie quand même pour le symboliquement. Donc voilà, tampon 2. Et moi, j'ai la frite magique, la grosse frite pleine de sauce. Merci beaucoup, tu peux te rasseoir. Alors, est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un veut venir m'affronter et sait comment gagner? Ouais, tu veux venir? Tu t'appelles comment? Samuel. Samuel. Alors, Samuel, on y va. Alors, tu commences ou je commence? Vous commencez. Comme tu veux. Hein. C'est important ou pas? Que tu commences ou je commence? Dans ta tactique. Apparemment, pour lui, ça ne l'est pas. Bon. Je sais pas. Je te laisse réfléchir. Je te laisse... Ça dépend ce que vous allez faire au premier tour. Moi, je commence personnellement. D'accord. Donc, tu en prends deux. OK. Oui. Moi, j'en prends une. Tu en prends une. J'en prends une aussi. Tu en prends une. J'en prends deux. Tu en prends deux, j'en prends une. Tu en prends une, j'en prends deux. Tu en prends deux, j'en prends une. Il en reste, attendez, il en reste trois. Dans tous les cas, tu vas gagner. Voilà. Merci d'être venu, c'est pas grave. Donc vous voyez, alors, un troisième, tu viens? On va alterner les garçons et les filles. Ton prénom c'est? Mouna. Comment? Mouna. Mouna, c'est ça. Alors, Mouna. Après, on changera de jeu. Hein. Est-ce que tu as une idée pour gagner? Est-ce que tu commences ou je commence? Tu commences. Êtes-vous d'accord? Donc votre camarade Mouna, elle me dit que je peux commencer à jouer. Oui. Donc est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent que ce n'est pas une bonne tactique? Non, personne? D'accord, je peux commencer à jouer. D'accord. Donc, je commence à jouer, j'en prends deux. On va voir s'il se passe un truc différent. Mouna en prend une, j'en prends deux. Elle en prend deux, j'en prends une. Elle en prend une, j'en prends deux. Elle en prend une, j'en prends deux. Elle en prend deux, attention, j'en prends une, et qu'est-ce qui se passe? On est au même point, il en reste trois, et c'est à elle de jouer. Voilà. Zut! Ouais, tu viens, toi, debout là, oui? Ouais, toi, vas-y. Allez, et là on va expliquer, on va passer à un autre jeu. T'as une tactique? Ton prénom c'est comment? Howard. Howard? D'accord. Alors, Howard, au début tu commences ou je commence? Qu'est-ce que tu préfères? Je commence. Vas-y, t'en prends combien? Une. Howard commence et en prend une. Donc moi j'en prends une aussi. Il en prend une. J'en prends deux. Il en prend deux. J'en prends une. Il en prend une. J'en prends deux. Il en prend une.
J'en prends deux. J'en prends une, j'en prends deux. Et regardez, on est au même point. Il en reste trois. Et c'est à lui de jouer. Donc perdu. Voilà. Merci, au revoir. Alors, on va s'arrêter là. Alors écoutez, parce que je vais vous montrer des jeux différents. En fait, ce jeu-là, si vous jouez, si vous n'avez pas de tactique précise, écoutez bien les enfants, si vous jouez au hasard, vous ne gagnerez jamais. Il faut ce qu'on appelle une stratégie gagnante. Moi, je suis sûr de gagner. Moi, je peux miser ma maison, ma voiture, je suis sûr. Et ça ne dépend pas de vos choix. Alors, comment je fais? Regardez bien. Je vais vous montrer la magie du tour. Regardez, là, quand il ne reste plus que 3, vous dites la partie est finie. Parce que si j'en prends 1, vous prenez 2. Si on prend 2, vous prenez 1. Ça veut dire qu'une fois qu'on est rendu là, la course à 20, comme le nombre 20, en fait, elle est déjà gagnée, puisque celui qui va jouer maintenant est sûr de perdre. Moralité, qu'est-ce qu'il faut pour gagner la course à 20 frites? Il faut manger la 17e frite. Parce que la personne qui mange la 17e frite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va forcer l'adversaire à commencer à jouer pour les trois suivantes. Et du coup, on l'a déjà dit plein de fois, la personne va perdre. Donc, moralité. Regardez, je vais faire des paquets de 3. Là, il en reste 3. Je refais un paquet de 3. 3, 3, 3, 3. Il en reste 2. Et donc, si vous voulez la course, la frite qui est plus grosse avec la sauce dessus, qui est en numéro 20, pour être sûr de la gagner, il suffit de manger celle-là, la 17e. D'accord? Donc je la dépasse, je la mets là. Et je dis que pour manger la frite numéro 20, il suffit de manger la 17, puisqu'après, je prends le contraire de l'adversaire. Du coup, j'ai simplifié mon jeu, vous voyez. Mon jeu qui s'appelle la course à 20 est devenu une course à 17. Donc c'est plus simple et plus petit. Et en maths, évidemment, ce qu'on aime, c'est une fois qu'on a trouvé un truc qui marche, on va le répéter. On appelle ça une itération. C'est comme une répétition. Et bien là, j'ai remonté de 3 coups en arrière, et bien je vais recommencer. Donc pour manger la 17e frite, il suffit que je mange celle qui est 3 pas en avant, autrement dit la 14e. Donc, ici. Et donc la course à 20, qui est devenue une course à 17, devient une course à 14. Donc si je mange la 14e, je mangerai forcément la 17e, et donc la 20e. Et je recommence, 3 pas encore en avant. Si je mange, pour manger la 14e, il suffit de manger la 11e. 3 de moins. Pour manger la 11e, il faut manger celle qui est 3 pas en avant, c'est la 8e. Pour manger la 8e, je mange celle qui est 3, donc la 5e. Et pour manger la 5e, il faut manger la 2e. Et donc, vous voyez, j'ai fait des paquets de 3 là. Et qu'est-ce que je fais à chaque fois pour manger un paquet de 3? Je fais le contraire. La personne en prend 1, je prends 2. Elle prend 2, je prends 1. Et donc, en faisant comme ça, vous allez constituer des paquets de 3. Le problème, c'est que dans 20, vous avez 6 paquets de 3, puisque 6 fois 3, ça fait 18, et il reste 2. Et c'est pour ça que le nombre magique, c'est 2. Pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à jouer, il faut manger 2 frites, et après, à chaque fois, vous faites le contraire de l'adversaire. Donc ce soir, quand vous jouerez chez vous, vous faites comme ça. Soit vous commencez à jouer d'office, ou vous laissez le choix, mais pour être sûr de gagner, eh bien, si on vous dit « tu peux commencer à jouer », eh bien, la partie est déjà finie. Vous pouvez miser votre console, votre téléphone, ce que vous voulez. Eh bien, quoi qu'il arrive, vous en mangez 2. À chaque fois, vous faites le contraire de l'adversaire. Et même si l'adversaire est un champion du monde, même s'il est super fort, etc., ça ne changera rien. Vous êtes sûr de gagner à la fin. Avez-vous compris? D'accord? Tout le monde saura refaire? C'est bon? Alors, par contre, donc, si vous commencez à jouer, vous êtes sûr de gagner. Par contre, si l'adversaire commence, bah, ça dépend. Évidemment, si l'adversaire connaît l'astuce que je viens de montrer, vous allez perdre. Mais s'il ne la connaît pas, tôt ou tard, il va commettre une erreur. Là, par exemple, vous êtes venu jouer contre moi et vous avez commencé à jouer. Et vous avez commencé par prendre une seule frite, ce qui est un mauvais choix. Au lieu d'en prendre 2, vous n'en avez pris qu'une. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai repris la main en prenant aussi une frite. D'accord? Vous avez commencé en prenant une au lieu de 2. Moi, j'en ai pris une aussi. Donc, tout se passe comme si j'en avais pris 2. Puisqu'il y a 2 frites en moins, c'est à vous de jouer. Et on va commencer nos 6 paquets de 3. Et à chaque fois, je ferai le contraire de vous et je vais gagner. Donc la morale de la morale, c'est que si vous commencez à jouer, vous êtes sûr de gagner. Vous en mangez 2 et vous faites à chaque fois le contraire de l'adversaire. Si l'autre commence, vous n'êtes pas sûr.
il faut guetter l'erreur. Si à un moment, il commet une erreur, s'il ne passe pas par les bons multiples, là, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, s'il commet une erreur, vous allez pouvoir reprendre la main. Et si vous ne vous trompez pas, de nouveau, vous serez sûr de gagner. Donc, oui. Si par exemple, à un moment, il prend le mauvais nombre de frites, on doit prendre l'inverse. Oui, ça va là. Il ne faut pas prendre l'inverse. Du coup, tu vois, il faut retomber, il faut que tu retombes sur ta suite de nombres là, magique, 2, 5, etc. Donc, mais en fait, à chaque fois, s'il fait une erreur, il est sûr de perdre. Si toi, tu ne commets pas d'erreur après, s'il fait une erreur, tu fais le bon choix pour retomber sur ta bonne suite de nombres. Et si tu te tiens à ça après, de nouveau, tu refais le contraire, tu vas gagner. D'accord ? Donc tout se joue en fait au premier coup, c'est dès le début. Et après, on peut, quoi que l'on fasse après, même si on réfléchit pendant des heures, ça ne changera rien. Après, la stratégie gagnante fait que les dés sont jetés. Et c'est pour ça qu'on peut être sûr, ce qui est troublant pour vous, c'est comment on peut être sûr au début de la partie qu'on va gagner à coup sûr, alors qu'on ne sait pas ce que l'adversaire va jouer. Mais c'est un peu comme si on prédisait l'avenir, vous voyez. On ne connaît pas les idées de l'adversaire. Et malgré tout, on sait quand même dès le début que la partie va être gagnée pour nous. Oui. Parce qu'on commence et on en prend deux, mais du coup, au bout de tournant, on en prend moins et du coup, tu vas faire le contraire. À chaque fois, voilà, c'est ce qu'on a expliqué. On va faire des paquets de 3. Oui. On va changer de jeu après. Et si l'adversaire, il a la même tactique. Ah oui, ça voilà. Ça, c'est une très bonne remarque. Effectivement. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Si je rencontre une personne qui connaît aussi la tactique, évidemment, il ne pourra pas y avoir deux gagnants. Donc là, je ne suis pas sûr de gagner. Parce que soit il va me dire, je veux commencer à jouer, il fait ma tactique, et là, je vais perdre. Donc là, effectivement, c'est pour ça qu'on est... Bah, c'est normal, on ne peut pas être... S'il y a deux qui connaissent, ce n'est pas possible que les deux gagnent. Donc c'est pour ça que cette tactique-là, elle est quand même... Elle dépend du départ, ça dépend qui commence à jouer. Donc je suis sûr de gagner si je commence à jouer. D'accord ? C'est ça qui va faire la priorité, qui va séparer. C'est ça qui va départager les deux champions. Si les deux connaissent, celui qui commence gagne. Alors, je ne vais pas aller plus loin avec vous, c'est un peu compliqué. Mais là, en fait, vous voyez, on gagne si on commence à jouer. Mais si je change le nombre de frites, par exemple, si je mets une frite de plus, j'en mets 21, par exemple. Si je mets 21, il faut faire des paquets de 3 encore. Mais la différence, c'est que tout à l'heure, on a fait... Comment ça s'appelle, ça, ce que j'ai fait tout à l'heure? Ça vous rappelle des choses en mathématiques, ça? 18, j'ai écrit que c'était 6 fois 3 plus 2. Oui, mais là, c'est 3 fois 7, 21. Ouais, mais comment ça s'appelle l'opération qui consiste à écrire que 20, c'est 6 multiplié par 3 plus 2? Ça s'appelle comment? Le 6, le 3 et le 2. Ça vous rappelle rien, ça? Méfiez-vous, hein, vous allez énerver les maîtresses qui sont à côté, si vous ne reconnaissez pas les... Ils connaissent ça, j'imagine. 20 égale 6 fois 3 plus 2. Ah oui, c'est sûr, une division. Ouais, une division. Ah, peut-être qu'ils ne connaissent pas le mot. Voilà, bravo. C'est ce qu'on appelle dans le terme savant la division euclidienne. Euclidienne. Donc 20, ça s'appelle comment? C'est le dividende. 3, c'est le diviseur. 6, c'est le quotient. Et effectivement, tu as raison. 2, c'est le reste. Oui. Donc tout ça, en fait, c'est fait pour vous faire réviser la division euclidienne. Et donc, si on met une frite de plus, il y en a 21. Là, par contre, il ne faut pas commencer à jouer. Il faut laisser commencer l'adversaire. Parce qu'il y aura 7 paquets de 3. Donc vous laissez commencer l'adversaire et à chaque fois vous faites le contraire de l'adversaire. D'accord ? Je vais compliquer un peu les choses. Là, on avait 20 frites à manger. Imaginez maintenant que je remette des frites. J'en mets 24 ou 27 ou 28. Vous allez vous dire, c'est pareil. Je vais diviser par 3 et puis je regarde le reste, etc. Mais je peux compliquer doublement. Et en même temps, je modifie les règles. Au lieu d'en manger une ou deux, je peux en manger une ou deux ou trois. Ou une ou deux ou trois ou quatre. Donc on peut jouer sur deux, ce qu'on appelle deux variables didactiques, deux critères, si vous voulez, deux boutons, deux curseurs. Le nombre total de frites. Et l'autre curseur, c'est le nombre de frites que l'on peut prendre à chaque fois. Donc essayez de réfléchir un petit peu. Que devient ma tactique précédente? Le fait d'en prendre deux au début et de prendre toujours le contraire. Ça, c'est avec la règle simple. 20 frites, je peux en prendre 2. Maintenant, qu'est-ce que vous faites si je modifie les règles? Donc, je rajoute des frites. Alors, on va en mettre combien en plus? 1, 2. Je rajoute 3 frites. Donc maintenant, j'ai 23 frites. J'ai 23 frites et on va dire qu'on peut en manger une ou deux ou trois.
Je vous laisse un peu réfléchir. Il y a 23 frites, on peut en manger maximum 3. Donc j'attends un ou une volontaire pour trouver la stratégie gagnante. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut commencer à jouer? Est-ce qu'il faut laisser commencer l'adversaire? Et puis qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois? Alors, oui, tu veux essayer? C'est gentil, merci beaucoup. T'as trouvé ou tu crois avoir trouvé un truc? Alors, voici les 23 frites. Je vous rappelle, donc la nouvelle règle, on peut en prendre une ou deux ou trois. Donc on va énoncer clairement, on va parler très fort. On va dire ce que l'on fait. Alors, tu veux commencer ou je commence? Je commence. Voilà. Je dis le nombre de... Oui, on va dire ouais. Tu en prends combien? J'en prends trois. Oui, tu en prends trois, bravo. J'en prends une. J'en reprends trois. D'accord. J'en prends deux. J'en reprends deux. J'en prends trois. J'en prends une. Bravo, je crois que tu as compris. C'est super. J'en prends une. J'en prends trois. Voilà. Tu as compris? Tu peux leur expliquer comment tu fais? Bah, en gros, faut faire la division euclidienne de 23 par 4. Et du coup, on trouve le reste 3. Mmh. Et du coup, il faut que dès la première fois, qu'on ait mangé la troisième frite. Et après, il faut faire en sorte qu'on arrive à 4 au prochain tour. Ouais, bravo. Bravo, super. Très brillant. Très brillant. Effectivement, vous avez vu, en fait, la règle générale, c'est quoi? On prend... Je te remercie. Merci beaucoup hein, d'être venu, puis surtout d'avoir trouvé brillamment. En si peu de temps, c'est vraiment impressionnant, c'est très bien. Donc, vous voyez, en fait, la règle générale, c'est quoi? C'est on prend le nombre total de frites, donc ici 23, et vous le divisez par le nombre maximum de frites que vous pouvez manger à chaque fois, plus 1. Tout à l'heure, on pouvait en manger 2, on a fait 2 plus 1, 3. Là, on peut en manger maximum 3, on fait 3 plus 1, 4. Et on fait la division euclidienne. On a fait 23 divisé par 4, ça fait quoi? Ben 23, c'est 4 fois 5, 20 plus 3. Et donc, la course à 23 se ramène à une course à 3. Il faut manger la troisième. Si vous mangez la troisième, vous êtes sûr de gagner. Et bien évidemment, le plus sûr moyen, c'est de commencer et d'en manger 3, puisque c'est possible. Et qu'est-ce qu'on fait après? Comme tout à l'heure, on faisait à chaque fois le contraire. Il en prenait une, j'en prenais deux. Il en prenait deux, j'en prenais une. Ça n'a rien à faire quoi, ça? À chaque fois, on prend le complément à 3. Vous voyez? Le nombre total qu'on peut prendre, c'est 2, plus 1, ça fait 3. Et bien à chaque fois, on complète par rapport à 3. Donc s'il prend 1, je prends 3 moins 1, je prends 2. S'il prend 2, je prends 3 moins 2 égale 1. Et là, on fait pareil avec le nombre qui n'est plus 3, mais 4. Donc à chaque fois, vous complétez à 4 par rapport au nombre qu'il a pris. Donc ce que votre camarade a fait, c'est quand j'en prends 1, il prend 4 moins 1, 3. Quand j'en prends 2, il prend 4 moins 2, 2. Quand j'en prends 3, il prend 4 moins 3 égale 1. D'accord? Et bien cette règle-là, elle marche tout le temps. Donc je vous laisse imaginer. D'un point de vue calcul littéral, vous voyez, si j'avais n frites, un nombre abstrait n, si j'ai le droit d'en prendre 1 ou 2 ou 3 ou p, avec p un nombre aussi abstrait, je vous laisse imaginer la stratégie gagnante générale en fonction de n et de p. D'accord? Vous l'écrirez chez vous et ça marche tout le temps. Alors, maintenant on va faire un tour de carte. Vous connaissez un jeu qui s'appelle le tarot? Dans le tarot, il y a 78 cartes, et parmi ces cartes, il y en a 21 particulières qu'on appelle les atouts, qui sont numérotés de 1 à 21. Donc ici, j'ai 21 cartes. Donc je vais appeler un ou une volontaire. Toi, par exemple, oui. Ton prénom, c'est comment? Lorane. Lorane, c'est ça avec un L, hein? D'accord. Lorane, tu vas mélanger les cartes. Alors, il n'y a pas de trucage, hein. J'ai pas de cartes dans la manche. Les cartes, elles sont pas truquées. Il n'y a pas un indice dessus, il n'y a rien de spécial. C'est des cartes tout à fait normales. Et je ne vous fais que des tours mathématiques. D'accord? Il n'y a pas de ruse de magicien. Donc, Lorane, tu vas choisir. Tu as un nombre préféré entre 1 et 21. Tu vas le choisir. Tu vas montrer à tes camarades la carte. D'accord? Ah, attends, je vais me retourner. Et moi, il faut que je devine la carte. Donc, quand j'aurai le dos tourné, tu vas leur montrer ton nombre préféré entre 1 et 21 pour que tout le monde le voit, y compris la caméra là, par là. Et après, on va faire un petit tour ensemble pour me faire deviner la carte, d'accord? Donc je te laisse faire, tu leur montres ton nombre préféré entre 1 et 21. C'est bon, c'est fait? C'est bon? Tu remets la carte et tu mélanges les cartes.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va faire des paquets. C'est bien mélangé, c'est bon. Tout le monde a vu sa carte. Donc maintenant, regardez, je vais prendre les cartes et je vais faire des paquets comme ça. Je vais faire 3 paquets. Donc il y a 21 cartes, donc il y aura 7 cartes dans chaque paquet. Et Laurent va bien regarder et tu vas me dire à la fin, quand j'aurai fini, évidemment pas en même temps, mais à la fin, il faut que tu repères où ta carte va tomber. Et tu vas me dire si elle tombe dans le paquet qui est près de l'ordinateur, à gauche, le paquet du milieu, ou celle qui est à droite, côté porte. D'accord ? Tu te concentres. Je vous dis à tous le numéro de la carte, mais vous ne dites rien, évidemment. Il ne faut pas commenter, il ne faut pas me donner d'indication, d'indice. Donc on y va. Le 19, 14, 10, 8, il ne faut rien dire. 18, 5, 15, 11, 2, 20, 3, 17, 1, 9, 13, 16, 12, 21, 4, 7 et 6. Où est ta carte ? Dans ce cas-là. Au milieu. Oui. Donc, je ne fais rien de spécial, je reprends les paquets, les uns après les autres, vous voyez, je prends un paquet. L'autre paquet, je le mets dessus. Et celui-là, je mets aussi au-dessus. On va faire ça 3 fois en tout. Donc, je viens de le faire une fois, on le fait encore 2 fois. Et après, je prétends que la carte magique va sortir en 11e position. C'est juste ça mon tour. D'accord ? Il faut comprendre pourquoi ça marche. Pourquoi c'est la 11e position ? Qu'est-ce que c'est que 11 par rapport à 21 ? Donc, il faudrait commencer à réfléchir. Donc on y va, on recommence encore 2 fois. Tu es d'accord ? On y va. 10, 5, 2, 17, 13, 21, 6, 14, 18, 11, 3, 9, 12, 7, 19, 8, 15, 20, 1, 16 et 4. Encore au milieu ? Oui. Ok, on y va. Je remets les cartes. On le fait une dernière fois. Écoutez bien le numéro. 10, 17, 6, 11, 12, 8, 1, 5, 13, 14, 3, 7, 15, 16, 2, 21, 18, 9, 19, 20 et 4. Celui-ci. Tout le monde est d'accord ? Oui. Alors, on y va. Maintenant, il me reste à prier, à espérer que ça va marcher. J'espère que les dieux de la magie sont avec moi, qu'il n'y a pas d'interférence, qu'il n'y a pas de mauvaises ondes. On va compter ensemble, on y va. Alors, première carte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, ma réputation est en jeu. Si je me trompe, j'imagine que je suis viré. Je suis à la rue, sans métier, sans rien. Ma famille m'abandonne. Je ne suis plus rien pour personne. Attention, suspense, ma carrière se joue. C'est bon ? Ouf ! J'avais le cœur qui battait. Hein. J'avais le cœur à 250 ou 60, je ne sais plus. C'était horrible. Alors, qui a une idée ? Qui a vu quelque chose ? Est-ce que vous pourriez faire le tour et puis gagner à coup sûr ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez vu ? Oui ? Bravo ! Super ! Effectivement. C'est ça l'astuce. Donc tu vas bien faire le tour. Tu vas appeler quelqu'un, tu vas être la magicienne à ma place. Tu veux qui comme... tu fais le tour à qui ? Oui. Vas-y, viens. Donc là, je te fais passer un test de recrutement pour voir si tu es vraiment une bonne magicienne. Donc tu lui fais le tour à ma place, je te laisse tout faire, tu as vu comment j'ai fait. Donc tu lui demandes de battre les cartes, il choisit un numéro, tu te retournes, il le montre aux autres. Et après, tu fais comme moi les 3 trucs et tu mets systématiquement au milieu comme tu me l'as dit. À la fin, tu fais le décompte, et si c'est la 11e carte, si ça marche, tu es embauché, on part en tournée à travers le monde ensemble, d'accord ? Tu préviens chez toi, tu appelles ta famille, et puis on part en tournée mondiale avec le succès, l'argent et tout ça, ok ? Ton avenir se joue maintenant. Allez, je te regarde, fais tes preuves.
Voilà, maintenant on va le laisser. Voilà, tu te retournes. Vas-y, va par là plutôt, voilà. Tu choisis une carte, laquelle tu aimes bien entre 20 et 21. Tu choisis et tu montres à tout le monde ta carte préférée. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. C'est bon? Chut, on ne dit rien surtout. Voilà, tu la remets dedans et tu mélanges les cartes. Voilà, tu peux revenir, c'est bon. Et vas-y, tu peux faire les manipulations. Alors, je vais dire les cartes, moi. 19, 12, 5, 3, 16, 18, 20, 6, 8, 13, 7, 17, 2, 9, 4, 10, 11, 1, 14, 15 et 21. Où est ta carte? Oui. Par contre, mets bien les cartes, il faut bien que ça soit à toi. Par contre, il ne faut pas que ça se chevauche. Comme ça, voilà. Voilà, on recommence encore deux fois, c'est reparti. Alors, 12, 16, 6, 17, 9, 11, 15, 5, 18, 8, 17, 4, 1, 21, 19, 3, 20, 13, 2, 10 et 14. Au milieu. C'est bon. Encore une fois. Tu auras des bagages à faire peut-être? Faut que tu passes chez toi pour ta valise, non ou pas? Oui. Bon, on appellera tes parents après, on verra. 12, 7, 15, 8, 1, 3, 2, 16, 9, 5, 17, 21, 20, 10, 6, 11, 18, 4, 19, 13 et 4. Au milieu. Alors attention, le suspense est à son comble. On va savoir si votre camarade est une grande magicienne. On appelle ça une mathémagicienne, comme c'est de la magie à base de mathématiques. Moi, je dis que je suis un mathémagicien. On y va, on compte? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention. Oui. Bravo. Donc, merci beaucoup à vous deux. Vous pouvez dire au revoir à votre camarade, vous ne la verrez plus en classe avec vous. Donc on part dès demain. On part en Australie. Demain, on est en Australie. D'accord? On a une tournée mondiale tous les deux. Alors, qui a compris? Donc, le tour, vous avez vu, tout le monde peut le faire. Écoutez. Vous avez vu, vous allez pouvoir faire le tour chez vous. Ce soir, avec vos familles, frères et sœurs, vos amis, etc. Vous prenez 21 cartes et vous faites le tour. Vous avez vu, il suffit de mettre, comme elle l'a très très bien fait, vous mettez le tas qui contient la carte magique au milieu. Bon, ça c'est le niveau, oui, le niveau 1 du jeu, c'est les règles. Le niveau 2, c'est ce qu'elle a fait, c'est comprendre comment faire le tour pour que ça marche. Maintenant, le niveau 3, c'est au-dessus. Mathématiquement, pourquoi c'est le nombre 11 qui fait tout marcher? C'est quoi 11 par rapport à 21? Bah, c'est 8 de moins. Oui, mais pourquoi 10? Pourquoi pas 8 de moins ou 7 de moins? Non. Qu'est-ce que représente 11 de particulier par rapport au nombre 21? Ce n'est pas la moitié, parce que la moitié, ce serait combien? Voilà. Et 11, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la... C'est un mot nouveau peut-être pour vous. Médiane. Non? Compliqué pour eux? Oui. Ils ne connaissent pas. La médiane, c'est quoi? Quand on a un nombre comme 21, le milieu, c'est 10,5. Ce n'est pas un nombre entier, c'est un nombre à virgule. 11, c'est quoi? C'est le nombre du milieu au sens où, écoutez bien, il y a autant de nombres avant. Avant 11, il y a quoi? Il y a les nombres de 1 à 10. Et après 11, il y a les nombres de 12 à 21. Donc vous voyez, mes 21 nombres, je les ai décomposés en deux paquets de 10, ça fait 20, et il en reste un tout seul, c'est le 11e. Donc la médiane, c'est ça. Quand vous avez un nombre impair comme ça, la médiane, c'est le nombre tel que vous avez autant de monde à gauche et à droite, et lui, il sépare les deux blocs. Et donc, vous voyez, pour 21, le nombre magique, c'est 11. Bon. Eh bien, vous réfléchirez chez vous, et la question, c'est, est-ce que je peux faire ce tour avec plus de cartes? Au lieu d'en prendre 21,
Qu'est-ce qui se passe si j'en prends, pas 3 fois 7, mais 3 fois 8, 24, ou 27, 3 fois 9. Donc si je prends 27 cartes, est-ce que là, quel sera le numéro de sortie de la carte magique, à votre avis? 17. Non. Pour 27 cartes. La médiane, c'est quoi pour 27? Non. Donc, 14. Il faut qu'il y ait, toi, 14, c'est le nombre tel que tu en as 13 avant et 13 après. Donc, la médiane des 27, c'est 14. Et la réponse est effectivement correcte. Avec 27, vous faites 3 paquets de 9 et la carte magique sortira en 14e position. Je vous laisse faire le tour chez vous et je vous laisse réfléchir pourquoi ça marche et quel sera le numéro de la carte avec 27 cartes ou avec, on peut faire après, avec 33 cartes, 39, etc. D'accord ? Ben oui, ça voilà. Ça, c'est plus compliqué. Alors après, c'est en faisant des arbres, mathématiquement, on peut comprendre, mais je ne peux pas le faire avec vous. Je peux le faire avec des élèves de collège ou lycée. Moi, j'arrive à comprendre pourquoi c'est ça. Pourquoi il faut 3 tours et pas 2 ou 4 ou 5? Vous voyez, je vous avais prévenu au début de la conférence, de l'animation. En fait, les mathématiques, c'est ça, en fait. C'est arrivé, donc on a vu que ça marchait. Maintenant, on se pose des questions. Mais pourquoi il a pris 21 cartes? Et pourquoi il a fait 3 tours, alors qu'il aurait pu en faire 2, ou 4, ou 5? Et pourquoi c'est la 11e? Vous voyez, donc il y a une multitude de questions. Et donc faire des mathématiques, c'est ça, c'est se poser des questions et essayer d'y répondre. Et le plus important pour nous en mathématiques, surtout en recherche, c'est pas d'essayer, ça, y répondre c'est bien, mais c'est surtout de se poser des questions, c'est ça le plus important. Et on se pose toujours des questions. Vous voyez, moi je suis chercheur en mathématiques, et en fait on ne sait jamais tout. Il y a des théorèmes qui sont démontrés chaque jour. Donc on arrive toujours à se poser de nouvelles questions. Alors, on va faire encore un troisième tour, peut-être le dernier, on va voir. Je vais vous distribuer des grilles. Donc, vous allez faire passer, vous allez prendre une grille chacun. Enfin, un jeu de grilles. Vous voyez, c'est une feuille comme ça. Vous avez 7 grilles dessus. Je vous fais un petit schéma. Il y a une grille qui commence par 16. Une qui commence par 4. Une qui commence par 2. Une qui commence par 1. Une qui commence par 32. Une qui commence par 8. Et une par 64. Alors, écoutez les enfants, donc ces feuilles-là, vous allez les garder, c'est un cadeau, vous allez pouvoir les ramener chez vous. Je vais vous montrer comment on fait le tour, il est très simple, vous allez pouvoir le faire aussi à vos familles. Dans les grilles, il y a des nombres de 1 à 100. On va jouer au jeu suivant, écoutez bien. Je vais demander à un groupe de 3 ou 4 de choisir un nombre secret, leur nombre préféré entre 1 et 100. Évidemment, ils vont le faire en silence, moi je ne saurais pas lequel c'est. Et je vais devoir le deviner. Comment je vais le deviner? Eh bien, je vais vous demander pour chaque grille, une question simple, est-ce que votre nombre est dans la grille ou pas? Les grilles, vous allez voir, c'est les nombres qui sont rangés du plus petit au plus grand. On dit que c'est dans l'ordre croissant. Donc, pour chaque grille, vous allez me dire oui, s'il y est, et non, s'il n'y est pas. On va faire ça 7 fois. Et moi, normalement, si je suis en forme, si je suis un vrai mathématicien, quand on va arriver là, instantanément, je vais vous donner votre nombre. Mon cerveau va faire des calculs, je vais voir toutes les possibilités, je vais éliminer quand vous me dites non, je vais garder quand vous me dites oui, je vais croiser les possibilités, je vais faire des calculs à la vitesse de la lumière, et en arrivant là, normalement, en 1/100 de seconde, je vous donne votre nombre. D'accord, on y va ? Alors, on y va, on va commencer par, voilà, le groupe là-haut, là, vous quatre, là, tous les quatre. Vous choisissez, non, vous restez là-bas. Comment ? On fait toujours le double, c'est 1, 2, oui, c'est vrai, bravo, tu as raison, c'est vrai. Je pense que ça a un lien tout à fait avec ça. Oui, bravo, c'est vrai, c'est une très bonne remarque, tu as raison. Alors, tes camarades là-bas choisissent un nombre entre 1 et 100, secret, d'accord ? Vous le dites à personne.
C'est bon, vous l'avez? Non, non, c'est un seul nombre en tout. Vous choisissez un nombre entre 1 et 100. C'est bon, vous l'avez? Votre camarade est malin, il a remarqué qu'effectivement, ça va être, à chaque fois, c'est le double. Ce serait important pour la... Ah, vous dites rien, vous l'avez, c'est bon? Maintenant, on y va. Vous vous concentrez. Et je vous demande pour chacune des grilles, est-ce qu'il est dedans? Donc, est-ce qu'il est dans cette grille-là, qui commence par 16 en haut à gauche, là? Regardez dans votre... Il est dedans? Vous êtes sûr? Est-ce qu'il est dans celle-là qui commence par 4 en dessous, là? Est-ce qu'il est dans celle en dessous qui commence par 2? Il faut regarder, hein? Vous êtes sûr? Il n'y est pas? Est-ce qu'il est dans celle qui commence par 1 en haut à droite? Non? Dans celle qui commence par 32 en dessous? Non. Dans celle qui commence par 8 en dessous? Non. Dans celle qui commence par 64 ici? Non. Donc c'est 16. Alors, on recommence, un autre groupe. Alors, le groupe du fond, là, là-bas, ouais, les gars au fond, là, choisissez un numéro entre 1 et 100. C'est bon, vous l'avez? On fait pareil, vous vérifiez bien, hein, sans erreur, pour chaque grille. Est-ce que votre nombre est dans celle-là? Regardez sur votre... Vous avez regardé, c'est bon? Oui, il y est ou pas? Est-ce qu'il est en celle commençant par 4? Il faut vérifier, hein. D'accord? Dans celle commençant par 2? Il est nulle part pour l'instant. Celle commençant par 1? Celle commençant par 32? Celle commençant par 8? Oui. Celle commençant par 64? C'est 8. Ah. Non mais là c'est et ou. Vous m'avez choisi deux nombres bizarres quand même là, qui sont dans une seule grille. Alors le tour est un peu bancal pour l'instant. Choisissez un nombre quelconque quoi, pas que des puissances de 2 quand même, c'est incroyable ça. Allez, on prend devant là, ce groupe là devant là. Voilà, allez vous concertez, choisissez un nombre. Et prenez un nombre n'importe comment, hein, pas un... Ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Depuis des années, on ne me l'a jamais faite celle-là. C'est bon, vous l'avez? Allez, vous vérifiez bien. Est-ce que votre nombre est ici? Non. Vous avez regardé, hein? Oui. Oui. Commençant par 4? Non. Commençant par 2? Non. Oui ou non? Non. Donc il n'est pas là, il n'est pas là, mais il est là. D'accord. Est-ce qu'il est en celle commençant par 1? Oui. Oui. Commençant par 32? Commençant par 8? Oui. Oui. Commençant par 64 en bas? Non. C'est 11. Oui. Voilà, là ça a marché. Là c'était bien, il y avait trois grilles. Est-ce que quelqu'un a une idée du tour? Comment je fais? Regardez pour le nombre 11. Écoutez bien, je vous explique, vous le ferez chez vous. Moi, je choisis le nombre magique 11. Écoutez bien la solution pour pouvoir le refaire chez vous ce soir, à la maison. Regardez le nombre 11. Là, dans cette grille-là, je regarde, la personne me dit non. Ici, on me dit non. Ici, on me dit oui. Qu'est-ce que je fais? Je retiens le nombre 2. Vous voyez, je l'entoure, vous voyez. Quand on me dit non, je l'oublie. Et quand on me dit oui, je le retiens dans ma tête. Et je vais ajouter au fur et à mesure les nombres quand on me dit oui. Et quand on me dit non, j'oublie. Là, on me dit oui aussi. Donc je le retiens, et je fais au fur et à mesure 2 plus 1, ça fait 3. Ici on me dit non, je l'oublie. Là on me dit oui, je le retiens, et je l'ajoute aussitôt. Donc j'avais 2 plus 1, 3, j'ajoute 8, ça fait 11. D'accord? Et là on me dit non, donc mon addition, 2 plus 1 plus 8, ça fait combien? Ça fait 11. Et bien c'est pareil que le nombre. Donc vous voyez, l'astuce est très simple. Ce soir, vous ferez le tour. Il suffit de faire ça. D'accord? Écoutez la solution, les enfants. On a fini ce tour-là, on en fait un petit dernier après. Donc, pour faire le tour chez vous ce soir, vous écoutez les réponses. Quand on vous dit que le nombre n'est pas dans la grille, vous oubliez le nombre. D'accord? Quand on vous dit qu'il est dedans, au contraire, vous le mémorisez.
D'accord ? Et vous ajoutez au fur et à mesure les nombres qui sont dans les grilles qui contiennent le nombre magique. D'accord ? Par contre, quand il n'y est pas, vous oubliez. Mais sinon, vous ajoutez au fur et à mesure. Et à la fin, le résultat de l'addition, c'est exactement le nombre magique. D'accord ? C'est très très simple. Ok ? Et votre camarade a raison. C'est quoi les nombres ? Regardez. Ça fait 1. Multiplié par 2, ça fait 2. Multiplié par 2, le double, c'est 4. Le double de 4, c'est 8. Le double, c'est 16. Le double, 32. Et le double, 64. Quand on a compris complètement ce tour, eh bien, on peut deviner ce qu'on met dans chaque grille. Vous voyez ? Donc, en mathématiques, il y a plusieurs niveaux comme ça. Donc, le niveau 1, c'est juste je joue comme j'ai fait là. Au niveau 2, je devine l'astuce et je la fais ce soir chez moi en famille. Et le niveau 3, je comprends. Vous voyez, c'est la différence entre technique et technologie. Je fais un truc et après, je comprends pourquoi ce truc fonctionne. Et après, je sais généraliser. Et là, je sais refaire. Moi, vous voyez, je sais, je prends une feuille, je vous fais les 7 grilles, je sais ce qu'on met dans chaque grille. Alors déjà, le niveau 2, le tour, c'est quoi ? Qu'est-ce que je fais simplement ? Pour que vous fassiez chez vous ce soir, c'est qu'il suffit d'ajouter le nombre en haut à gauche. Vous n'avez pas reconnu ces nombres ? C'est quoi les nombres là ? C'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, c'est quoi ? Ce sont les puissances de 2. En fait, ce jeu est basé sur l'écriture en base 2, celle qui est vitale pour les ordinateurs, pour le numérique. C'est grâce à ça qu'on fonctionne tous vos ordinateurs, vos téléphones portables. Donc vous ajoutez les nombres en haut à gauche des grilles quand la grille contient le nombre magique. Quand on vous répond non, vous oubliez. Mais quand la grille contient le nombre magique, quand on vous a dit oui, vous mémorisez et vous ajoutez ces puissances de 2, ces nombres en haut à gauche, d'accord, au fur et à mesure. Et le résultat à la fin, ça vous donne le nombre. Et en fait, en faisant ça, je reconstitue l'écriture en base 2 du nombre choisi par le public. C'est la justification mathématique. Je vous propose un dernier jeu qui se fait au tableau. Je vais mettre 10 nombres comme ça. Et on va jouer au jeu suivant. On va éliminer un nombre sur 2. Donc, le premier, je le garde. Je pars du numéro 1. Je garde le numéro 1. Et puis, un coup sur 2, je l'enlève, je l'efface complètement, il disparaît. Je garde, vous voyez ? Je garde, j'élimine, je garde, j'élimine, je garde, j'élimine, je garde, j'élimine, je garde, j'élimine. Et quand je suis arrivé là, je continue. Je recommence comme ça. Et je vais le faire plein de fois. Et quand je vais le faire plein de fois, qu'est-ce qui va se passer ? À la fin, il va rester qu'un seul nombre. La question, c'est lequel va rester ? Est-ce que vous arrivez à vous concentrer et à prévoir quel est le nombre qui va être victorieux ? Quand j'ai 10 nombres comme ça, moi, grâce aux mathématiques, je connais la réponse. Je sais, quand je fais ça plein de fois, quel est le nombre qui va rester tout seul à la fin. On y va, on le fait ? Est-ce que vous avez un pronostic à votre avis ? Qui va être vainqueur ? Un nombre entre 1 et 10 ? Non. Non. Oui, quelqu'un a dit le 5. Moi, je pense que c'est le 5. On va voir. Regardez, on essaie. On essaie. Vous voyez, on prend le 1. Regardez bien. On prend le 1, on le garde. Le 2, on l'enlève. Donc, il disparaît complètement. D'accord ? Il n'existe plus. On garde le 3. On enlève le 4 complètement. On garde le 5. On enlève le 6 complètement. On garde 7. On enlève 8. On garde 9. On enlève 10. Et on continue. Comme je viens de faire enlever, maintenant je garde. On garde le 1. On continue. On élimine le 3. Toujours 1 sur 2. On garde le 5. On élimine le 7. On garde le 9. On élimine le 1. On garde le 5. On élimine 9. Et le vainqueur est le 5. Vous voyez ? Donc on va s'arrêter là. Là, vous voyez, quand j'ai 10 nombres, le vainqueur, c'est le 5. Maintenant, question mathématique, si au lieu de prendre 10 nombres, si j'en prends 11, ou 12, ou 15, ou 20, ou 10 000, quel sera le vainqueur ? Alors, j'ai fait ça en animation dans les collèges lycées, c'est très sympa. Je fais ça d'habitude en faisant lever, asseoir les élèves. Ce que je fais, je numérote tous les élèves. Au début, tout le monde est debout, et puis je dis debout, assis, un coup sur deux. Et ceux qui sont assis, c'est comme ceux qui ont perdu, c'est ceux qui sont rayés comme ça. On fait ça, on revient au point de départ, on fait ça suffisamment longtemps. Et le but est de deviner quel est le numéro de l'élève qui restera debout à la fin.
Et c'est sympa qu'on fait ça dans un collège entier où il y a, parfois j'ai fait ça avec 300-400 élèves, c'est assez impressionnant. Et le but c'est d'arriver à prévoir, moi je peux prévoir dès le début, donc vous allez réfléchir à ça, comment faire pour prévoir pour n'importe quel nombre, quel est le vainqueur à la fin. Non, c'est pas la moitié. Par exemple avec 16, le vainqueur c'est le 1, c'est pas la moitié. Non, avec 32 le vainqueur c'est 1 aussi. Avec 50, le vainqueur, c'est... Alors, attends, 32, 18, c'est 37. Alors, en fait, il faut... Tu vois, c'est tout à l'heure comme avec les doubles. Tu prends ça. Tu vois, tu prends la suite des doubles comme ça. Et tu prends ton nombre, là. Et tu regardes le plus grand double comme ça qui est avant lui. Toi, pour 10 par exemple, quel est le plus grand qui est plus petit que 10? C'est celui-là. Et tu fais l'écart entre les deux. D'accord? Donc l'écart entre 8 et 10, c'est 2. Et la réponse est toujours le double plus 1 après. Comme c'est 2, je fais 2 fois 2 plus 1. Donc toi, à chaque fois, on prend la plus grande puissance comme ça là, qui est avant le nombre. On fait l'écart avec le nombre et on prend son double plus 1. C'est ça la formule. D'accord? Regarde, par exemple, si tu prends par exemple, là, regarde, s'il y en a 35 le nombre là, si je mets 35 nombres, il faut que je prenne le plus grand nombre qui est plus petit que 35. C'est quoi le plus grand? Ça va être 32. 32. Tu prends l'écart entre les deux, c'est 3. Et bien ce nombre là, tu prends son double plus 1. Donc tu fais 2 fois 3 plus 1, ça fait 7. Regarde, tu prends les nombres comme ça, les doubles comme ça, de proche en proche. Et à chaque fois, tu prends le plus grand nombre qui est inférieur au tien. Toi, comme avec 10 par exemple. Quel est le plus grand de ces nombres-là qui est plus petit que 10? Ça va être 3. Non, c'est 8. Le plus petit des nombres. Il faut que tu prennes le plus grand de ces nombres-là qui est avant ton nombre. Donc le plus grand avant 10, c'est 8, d'accord? Et bien après, tu fais l'écart entre ton nombre et celui-là. Donc 2 fois 2, 4. Et tu prends son double plus 1. Donc comme le nombre, c'est 2, tu fais 2 fois 2 plus 1, ça fait 5. Et c'est un nombre magique. J'ai une question. Et donc cette fois-ci, le nombre, c'est 35. Le plus grand avant, c'est 32. L'écart entre les deux, c'est 3. Et bien tu prends le double de 3 plus 1. Donc ça va faire 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Le vainqueur sera le 7. Oui. Avec 21, ça sera 11. Alors attends, avec 21, ouais bravo, c'est ça, 21, le plus grand avant c'est 16, donc 21 moins 16 ça fait 5, le double plus 1 ça fait 11, bravo, super, t'as tout compris, génial. Avec 32 pour ça, ça fait 1, ouais. C'est en fait, quand c'est un nombre d'ici, comme l'écart ça va être 0, ça va faire 1. Donc ça en fait, on appelle ça les puissances de 2 en fait. C'est les doubles des doubles des doubles par rapport à 2, on appelle ça des puissances de 2, d'accord? Donc c'est un peu comme le comme ça en fait, c'est les mêmes nombres qu'ici en fait qui apparaissent. D'accord, c'est toujours l'écriture en base 2 qui compte. N'hésitez pas à refaire les tours chez vous ce soir en famille, montrez les tours et vous serez des mathémagiciens comme moi. Au revoir.